Alors, le numérique, de toute façon, on y est, on ne fera pas marche arrière, et je vois bien sur notre territoire, qui n'avons pas encore toutes les dernières technologies, qu'on ne parle pas de la 4G parce qu'on n'y en est pas encore, voilà, sur notre territoire, on n'a même pas les trois réseaux, tout, donc, hein. Mais il faut faire avec. Et on a beau me dire que ces nouvelles technologies ne régleront rien si on n'a pas des moyens de communication adéquats entre les individus et que l'individu doit bien se déplacer. Je n'en suis pas si sûr et que de toute façon, à un moment ou à un autre, le savoir viendra dans nos territoires que par les nouvelles technologies. Et regardez, au cours des entretiens, les expériences qui sont en train d'émerger, tous ces jeunes créateurs-là qui partageaient le savoir-faire du monde entier, qui proposaient de mettre le savoir-faire du monde entier à la portée de chacun, même dans les endroits les plus reculés d'Afrique ou d'Inde. Donc c'est quand même un formidable moyen d'évolution, d'éducation. Donc, s'il y a éducation, il y aura forcément démocratie, parce que la démocratie ne va pas sans éducation. Et regardez les peuples qui n'ont pas la chance d'avoir une éducation extrêmement développée tombent plus facilement dans des extrêmes et dans le populisme ou dans des systèmes politiques qui sont totalement défavorables à l'homme. C'est pour ça que ces nouvelles techniques ne pourront que développer l'éducation et la formation de l'individu. Quels que soient ses défauts, ils existent, à nous de les améliorer pour en tirer la substantifique moelle et pour que éviter tous les écueils qu'il peut y avoir actuellement.